Eh bien salut tout le monde, c'est Zamot. Alors aujourd'hui c'est une suite à la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines dans laquelle je vous expliquais que j'avais pris une formation sur le compte CPF. Eh bien ça y est, elle a réellement débuté, donc le 26. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous faire voir ce qui a été mis à ma disposition pour pouvoir travailler correctement. On va commencer tout de suite avec le compte Creative Cloud Desktop. Donc en gros, c'est le logiciel qui permet de pouvoir installer tous les logiciels Adobe. Et donc ça, c'est fourni dans la formation pour une durée de 1 an. Et c'est pas négligeable quand on sait que le logiciel coûte entre 62 et 63 euros par mois. Donc comme vous voyez, on peut installer presque tous les logiciels, Illustrator, Design, Lightroom, et dont ceux que j'ai déjà installés, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, et j'en passe. Et maintenant, on va aller voir le site qui me permet de faire la formation. Nous voici sur le site ADE University. Donc je le rappelle, c'est entre guillemets l'école que j'ai pris sur le compte CPF de la vidéo d'il y a 2 semaines. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à regarder des vidéos. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire voir tout le contenu et les vidéos, c'est assez logique, mais je peux vous faire voir un peu à quoi ressemble le site. Ça peut déjà être pas mal. On va juste cliquer dessus, hop, et là vous avez déjà tous les chapitres. Sachant qu'il y a 3 pages. Donc en gros, le début, ça explique les bases des vidéos, les résolutions, les formats YouTube, TikTok, etc. Donc là, c'est plus les fondamentaux. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors évidemment, je vais vous faire voir juste un tout petit passage pour que vous puissiez avoir une idée. Je vous mets juste la petite séquence et on se retrouve après. Les étapes de production d'une vidéo. Soyez les bienvenus dans cette formation Premiere Pro dans laquelle vous allez apprendre facilement à réaliser des montages vidéo professionnels. La vidéo aujourd'hui est incontournable, et notamment sur les réseaux sociaux, on en voit absolument partout. Normal, à l'ère du mobile first, on utilise la vidéo pour communiquer sur absolument tous les supports. Il est plus facile, souvent en mobilité, sur de petits écrans. Et bien voilà, c'était juste un tout petit passage, je ne vais pas vous en montrer plus, parce qu'évidemment, je ne voudrais pas avoir de sanctions. Bien entendu, c'est une vidéo assez courte, mais je pense qu'elle est nécessaire pour que vous puissiez voir par semaine l'avancée des choses, tout simplement, pour ne rien louper de ce que je sortirai dans les semaines à venir. Évidemment, le like, l'abonnement, la petite notif, ça me soutiendrait beaucoup. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine, des bisous.